égérie du carnaval en Guyane, Clara Nugent change de registre comme on change de décor quand vient la nouvelle saison. Cette artiste iconoclaste n'en fait qu'à sa tête et multiplie les expériences musicales. Totalement investie dans le développement de la musique traditionnelle, elle bâtit Folle au gré des rythmes et des styles qui titillent l'imagination dans son multiculturel. Variété créole, Gaïa Jazz, musique populaire brésilienne, Kawina, Biguine, Mazurka, Fusion, Music Hall, Reggae, Dance, tout y passe. Clara Nugent occupe l'avant-scène des mécènes depuis 1995, formation assurant des bals masqués du carnaval et officie parallèlement en qualité de chef de bande au sein du collectif La Bande à Jean-Clair. Objectif de cette formule, réintégrer la musique traditionnelle sans l'étiquette carnavalesque. Elle s'associera à la pétillante Orlan Jadfar pour créer le duo Les En Affaires. De cette union naîtra trois albums, Osmose en 2003, Fekounou, Papa Senou en 2005 et Créole Cancan en 2006. D'ailleurs, les titres La Ferme de Mireille, Osmose, Machine Boisnin, Augustin, Alagazou et Créole Cancan seront hissés au rang de tube. En 2008, l'artiste signe son retour en solo avec Darloz et Scheherazade. Un an après, avec la sortie de l'opus Mosso Dimo, Clara nous montre l'étendue de ses compétences et de ses connaissances musicales dans un mélange subtil de musique épicée et métissée. Biguine Jazz, Gragé, Maloya, Bossa Nova, Belly Hot, Soul Gospel et Ballad Funk. Clara Nugent s'est entourée d'auteurs, compositeurs et de musiciens sensibles et talentueux pour tracer ce layant de surprises musicales magistralement explorées par sa voix émouvante. Plus authentique, sans les strass et les paillettes du carnaval, simplement accompagnée de son Gaïa Jazz Orchestra, l'artiste a établi un réel lien de complicité avec les spectateurs, partageant avec eux toute une palette d'émotions, de la joie à l'amour et la tendresse. Swing 5 ans, qui a promo bayaton. Clara Nugent y a une fois de plus démontré au rythme des musiques métisses de belles qualités vocales. Elle s'approprie sans difficulté la biguine, le jazz, la bossa nova, la musique haïtienne et même le maloya, passant d'un rythme à l'autre avec aisance. Moment fort de cette soirée, elle fait son entrée sur scène en chaise roulante, un rappel de son adolescence lorsqu'elle connut la perte temporelle de ses jambes. L'auteur, compositeur, interprète a convié tous les rythmes et les sonorités qui ont nourri son parcours musical. Si en 2010 elle arrête de se produire avec les mécènes, Clara Nugent continue ses prestations le jeudi soir avec la bande à Jean-Clair durant le carnaval. Mais entre-temps, elle continue de se peaufiner un répertoire varié qui explore la musique traditionnelle, comme le blues ou encore le jazz. En 2015, cette défenseuse de la musique traditionnelle fêtait ses 20 ans de musique. Cette année-là, elle s'offre un cadeau, celui de monter sur différentes scènes avec ses amis musiciens et d'offrir différents rendez-vous à son public. Elle se produira notamment avec les mécènes et les blues stars et présentera un titre de carnaval de rue intitulé « Son moto zéro ». En 2018, elle participe à la pièce théâtrale inspirée du roman guyanais Atipa d'Alfred Parépou et elle nous surprend musicalement une fois de plus en 2019 avec le titre « Mon canton à Harry ». Elle fera également son retour à Paulina avec la bande à Jean-Clair pour la saison carnavalesque 2020 et les Yana Belbal, un concept pensé pour que la musique traditionnelle soit consommée dans un cadre festif et valorisant. Le concept Yana Belbal, c'est une sorte de parenthèse enchantée.